Hey. Bon, je vais vous parler de cette petite sauce qu'on a eue chez Rewe. C'est un magasin en Allemagne. C'est une sauce veggie teriyaki. Et je viens de la goûter, elle est très bonne. Voilà. Maintenant, c'est bouchée de nachos au cheddar. Allez. À tienne. Ah tiens, tiens. Ça c'est bon. Donc ça c'était sûr. Hein. Boucher d'or. Hein? Ouais, c'est vraiment top. Noël? Ouais. Maintenant moi je vais goûter avec la sauce. Par contre, ça n'a pas un petit goût piquant? Ou c'est moi qui. La sauce un petit peu peut-être, j'ai l'impression. Non, c'est pas la sauce. Moi j'ai mangé ça tout seul. Noël? Moi ça pique un petit peu. Tu trouves aussi? Regardez l'intérieur. C'est pas mal. La sauce, t'aimes bien? Ah ouais. Elle est bonne, hein? Et Noël, t'aimes bien? Tu vois, je sais que j'avais une bonne idée de prendre la sauce. Ça fait sucré salé, hein? Ouais. Je croyais que t'aimais pas. Ah si, j'aime bien le sucré salé. Voilà. Il faudrait goûter les autres choses chez Picard. Il y avait d'autres choses, mais on n'a pas tout pris là. À recommander ces petits trucs, sauf pour les sensibles qui n'aiment pas le piquant. Pour les sensibles qui n'aiment pas le piquant. Les sensibles. Ah, les sensibles, excusez-moi, je n'avais pas tout compris. Et c'est pas encore trop cher pour tout ça, j'en ai eu pour 17 euros. 20, 10, Non, 27, non. 27. 27, voilà. Ça va encore. Hein. Ça fait 9 euros par personne. Ouais, Picard, c'est pas le plus abordable, mais ça va encore. Et pour finir, le petit dessert. Le cookie bombe. Il est tout petit. Tout petit. Tout petit, mais peut-être. Il est trop petit pour à moi. À partager en trois. Allez, on plonge dedans. Allez. Santé. Mets pas les pieds. Ça, c'est toujours bon. C'est toujours bon, ça. Hein. Ouais, tu m'as laissé tout le chocolat. Hein? Ouais. Non, moi j'ai même pas eu de chocolat. M'en fous, j'en prends. Ouais. T'as ouais. Je valide. Dix sur dix. 10 sur 10. Toi aussi? Ouais, pareil. Alors, on fait les notes. Le cookie, je viens de dire 10 sur 10. Toi? Oui, 10 sur 10. Cousine. 10 sur 10. Mon burger, 9 sur 10. 5 sur 10. Ouais, 6. Oh, ça va encore? J'aurais cru que t'aurais mis une note plus basse. Non. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les corn dogs, je l'ai noté. 10 sur 10. 10 sur 10? 7 sur 10. Et toi, maman? Ben non, moi j'en ai pas mangé. Et les nachos, c'était bon. 9 sur 10. À 8. Je mets jamais 10 sauf le cookies. Parce que... moi, un petit 7 sur 10 parce qu'il était un petit peu piquant. Ouais, c'est vrai, c'était un peu piquant. Ça, c'est jamais noté. Ça, c'est pas. C'est nul. Il faut noter quand c'est piquant. Il faut mettre un peu épicé. Je sais pas. C'est pas écrit du tout, c'est chiant. Voilà.
Quel suspense, les amis. Nous sommes là en train de suivre. Je rappelle que s'il y a une sortie de piste, la course se terminera. En tension, il faut accumuler le tour. En 10 minutes, il y a encore à battre 96 tours. Allons-y. Ah, il semblerait que la Porsche ait un petit problème du pneu. Je vois qu'elle ralentit un peu en ligne droite. Peut-être un pneu pas gonflé optimum. Non, c'est le contact. Non, c'est le contact, me dit le chef aérodynamique à côté. Je suis pas électricien, mais quand on a récupéré que la lame ne s'allume pas, c'est qu'il y a un problème de contact. Le fil est mal branché, ou bien. Ben voilà, c'est ça. Attention! Hop, petit coup de. Il est sorti de route, il n'est pas fatal. Allons-y, les petits amis. Attention! Attention! Petit coup de pouce du commissaire. Allons-y. Allons-y, qui a le ballon? Qui a le ballon? Ah voilà, parfait. Excellent. Attention, c'est déjà plusieurs tours. Ah, deux tours de piste. Ça, le réquisit de l'huile sur la piste, c'est bien Michel Vaillant. Il voit des cheveux de femme. Attention, c'est dans le secret. Aïe, aïe, aïe. Une petite sauce au yaourt avec du yaourt grec, du jus de citron, de l'ail, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Voilà. Non, là! Et ça, c'est pour faire avec des petites carottes rôties au four. Tadam! Miam, miam, miam! Bon app! Attention, la petite bête, elle est là! Elle est là! Elle est là! Oh. Alors, chez Desigual, je me suis pris quoi? La jupe. Comme ça. Et j'aime bien les petits détails là. Alors, celle-là.
À la base, 79. Elle est réduite à 36 euros. Et un t-shirt. Voilà. Original. Avec les petites boucles d'oreilles. Et celui-là, alors, il était à 49 et réduit à 22. Voilà. Bonjour toi. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer les derniers livres que j'ai achetés. Alors, celui-là, Hugo Clément, comment j'ai arrêté de manger les animaux. Je ne l'ai pas encore terminé. Et c'est déjà pas mal. J'aime beaucoup. Puisque je suis devenue végétarienne, ça fait à peu près un an. Et j'aime bien me renseigner. Il explique beaucoup de choses. Ah, ça c'est mon petit marque-page que j'ai colorié. Voilà, j'en suis à là. Et c'est déjà pas mal. 7,20 €. Alors celui-là, c'est... En fait, tous les livres que j'ai, je les ai tous commencés. Ils ne sont pas terminés. J'aime bien commencer plusieurs livres en même temps, ça me dérange pas. Ici, c'est un roman. C'est dans le genre horreur, noir. Et c'est top, j'adore. Ça se passe dans les Vosges, si je me souviens bien, oui, parce que ça fait longtemps que j'ai pas relu. Alors, ouais, La noirceur des Vosges profondes. Et j'aime bien. 9,90 €. Voilà. Ici, c'est un livre de guide spirituel. Je pense que vous connaissez peut-être. Eckhart Tolle. Le pouvoir du moment présent. J'aime bien. C'est spécial, hein, il faut se mettre dedans. Là non plus, je n'ai pas fini. J'en suis qu'au début, là. Bon, c'est pas un roman, c'est quelque chose à lire comme ça, et il faut se mettre dedans. Et il faut y croire, surtout. 7,20 €. Et celui-là, je l'attendais depuis longtemps. Matthew Perry, Friends, Mes amours et cette chose terrible. Oh, je l'adore, je suis en train de... Heureux, je n'ai pas vraiment le temps, en fait. Et quand je le lis, je le dévore, en fait. Il écrit tellement bien. J'adore son écriture. Avec une préface de Lisa Kudrow. Non, combien c'était ça? 20 euros combien? 95. Voilà, j'adore. Pour les fans de Friends et pour les fans de Matthew Perry. Pour connaître son histoire. À acheter absolument. Et là, c'est des petits coups de cœur que j'ai trouvés en recyclerie. Alors, celui-là, La sorcière de la rue Mouffetard. Pour ceux qui sont nés comme moi dans les années 80, on l'a tous lu en école primaire. J'ai adoré. J'ai adoré et je l'ai relu. Et j'ai toujours adoré. Voilà, c'est top. Et ici, Poil de carotte, je l'avais lu aussi quand j'étais toute jeune. Vous connaissez sûrement Jules Renard. Et j'adore cette... comment on dit
Je ne sais plus. Cette couverture là. 10 francs, c'est encore en francs? 10 francs? Enfin voilà. Les deux petits livres vintage. C'est vraiment très vieux. Hein. Il n'y a pas de date là. Sinon je vous aurais dit la date. Mais là... Oh ça date, hein, franchement. Ah si, si, si. Pour retrouver la date, c'est par ici. Alors, ouais. Oh la vache. C'est loin ça. 1967. Pour la première édition et la deuxième, 1980. Bon, c'est vieux. Et là, est-ce qu'on a une date? Il n'y a pas de date. Je ne sais pas. Toujours une date, normalement. Je ne sais pas, il n'y a pas de date. Enfin, c'est pas de maintenant, en tout cas. Voilà. J'ai retrouvé la date. Alors, 1994. Je pensais que c'était quand même plus vieux. Mais c'est déjà pas mal, 94. J'avais 10 ans. Voilà. Alors ici, on fait un petit tri de cartes Pokémon. Alors, t'en es où dans ton tri? C'est bon, t'y arrives? T'as besoin d'aide? Ça va? Ouh, elle est concentrée. Bah, ça va vite, hein? Ah, le tri est sur le point de se finir. De se finir, je ne sais plus parler. Quelle vitesse! Coucou, je vais utiliser ça. Allez, faisons des petites ondulations.
petite de lac. Attention. Petit crayon dans les yeux. Baguette, baguinette. Et voilà. La préparation est faite. Je répète. La quoi? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Enfin bref, voilà. Tout va bien? Préparation de la valise. Alors, j'ai mis un sèche-cheveux, des couches, accessoires de beauté. Alors, qu'est-ce qui manque? Des vêtements, bien sûr. Allez, c'est parti. Les chaussures, les vêtements, et bien sûr, les passes. Bon, ici, on a les céréales et le lait pour la petite. Et monsieur est en train de nettoyer le biberon. Là. En fait, là, on est en train de partir sur un coup de tête à Disney. C'est pour ça, précipitation pour faire les valises. Et je vais changer le sac à main en sac à dos. Ça sera mieux. C'est parti. Quand même. Je vais pas prendre ce sac, je vais prendre ma petite brosse. Voilà. Et voilà. C'est prêt?
Mais me voilà. Et moi aussi. Ah non, pas toi. Que moi. C'est que moi. Thank you.
Et nous voilà arrivés, Ali. T'enregistres pas là? Ah non, ça glisse pas, ça du, glisse tout. Pas du tout. Mmh. Ça, ça a l'air très bon. Et toi? Ne soyez pas surpris que le capitaine d'un bateau navigant s'est inspiré de ce film pour prendre Mark Twain comme nom de plume. Xander's attempting more trouble in Sector 9. No doubt it's the work of that nefarious criminal, the sworn enemy of the Galactic Alliance, the evil Emperor Zurg. Ali, ça va? Votre petit bijou qui va bien. Oh! Oula! Comme ça. Voilà. La bague. La petite montre. On coiffe. Pendant qu'elle fait des bêtises. Donne-moi ça. Hop.
une bébé crème. Ah bon, j'ai mis de la crème, bien sûr. Hop. Allez, c'est parti. Lali, elle refait la même bêtise, comme d'habitude. Hein? Tu me le donnes? Allez, donne-moi ça. Merci, je le range. Voilà. Là, là, là. Voilà, voilà. Oh non, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train d'enlever tous les vêtements qui étaient bien pliés. Oui, oui, oui. On va aller, c'est le gros bordel. On va aller ranger tout ça. Bon, voilà. Je vais juste mettre un petit peu de poudre. Voilà, allez. Bon bah ça c'était Ali, hein. Et un petit peu de rouge à lèvres. De Uva. Voilà. Et le petit parfum qui fait du bien. C'est un Adopt. Allez. Ah, j'ai mis le collier, j'aime pas. Tant pis. Sans ouvrir la bouche. Préparation terminée. Ali? Coucou. Viens voir comment t'es belle. Oh là là, tu es très belle. Tu es très belle. Maman. Je n'ai jamais montré ma bibliothèque, donc je la montre. Voilà, deuxième pan et troisième pan. Et là, on peut voir les livres que j'ai à terminer, que je vous avais montré précédemment. Ce soir, on fait des petites pâtes, sauce poivron burrata, enfin, sauce poivron sauce tomate et de la burrata dessus. Voilà. Mmh. Allez, on met la sauce tomate. La Sirio, c'est la meilleure. Enfin, la pulpe de tomate.
Laissons mijoter. Allez, un peu d'origan aussi. Sel. Poivre. Et herbes de Provence. Voilà. Les burrata, on va les couper en deux. Mais c'est pas de la burrata, c'est de la mozzarella ça. La burrata, c'est crémeux au milieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah, c'est pas de la burrata, c'est de la mozzarella, dit bufala. C'est ça qui m'a induit en erreur. C'est pas grave, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil, mais bon. Les préparations sont faites. Maintenant, présentation dans l'assiette. Et voilà, une présentation. Sympa, sympatoche. Merci bien. Alors, verdict, les pâtes au poivron, c'est top. Moi, j'adore. Et toi? J'adore, c'est super bon. C'est super bon. À refaire. C'est délicieux? C'est délicieux? Non? Est-ce que c'est délicieux? Annie, c'est délicieux? Ah, voilà! C'est moi qui t'ai eu cette fois-ci. Va te cacher! Bon, c'est le soir, on va faire du démaquillage. Petit produit démaquillant. C'est de la marque Wham. C'est la première fois que j'essaye. Enfin, celle-là, c'est la deuxième fois, j'ai déjà essayé. Et c'est pas mal. Et ça, j'ai eu dans un magazine féminin, si vous voulez. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais, ça c'est bien parce qu'on commence sur peau sèche. Allez, petite noisette. On commence sur peau sèche et après on ajoute un peu d'eau pour faire un peu mousser. Enfin, légèrement. Et on rince. Voilà. Et on termine par un petit soin. Alors là, je prends le Estée Lauder Advanced Night Repair. C'est le sérum.
Et je vais mettre une crème. Je vais mettre. Je vais mettre la Yves Rocher Élixir Jeunesse. Bon, c'est écrit jour, mais je l'utilise quand même pour la nuit. La brosse à dents. Brossage de dents. Et voilà, c'est terminé. Bonne nuit. Maintenant, je vais lire un petit peu de mon livre. Ça faisait longtemps. Matthew Perry. Allez. Je vous fais feuilleter un petit peu avec moi. Waouh, cette partie-là. Rigolez, il ne rigolait pas là. Pourtant, ça a fait le succès, ça a fait un succès énorme. Donc ils se sont un peu trompés là. Oh là aussi. Enfin voilà. Allez, je vous laisse là. Oh, salut chérie! Ça va? Oui, moi ça va très bien. Mouah. Ouais. Schtroumpf de Gleif. Moi j'étais une de Gleif. J'ai dit à Jessica que moi j'avais les ongles les plus parfaits du monde. Et elle m'a dit que je n'avais pas les ongles les plus parfaits du monde. Et je ne l'ai pas compris. Je lui ai dit, t'es taré ou quoi? Wesh, je suis une thug life. Croyez pas que je suis pas une thug life. Et moi, je vis dans une cité. Ouais. D'accord. Ouais, je porte du Lacoste. Bah oui, hein. Moi, je suis trop beau. Je suis trop belle. Juste les filles. Qu'est-ce que c'est ça? Attends. Oui, Noan, je fais des essais. Tu sais, c'est une vidéo, Thomas? Non, je ne savais pas. Ah bon? Oui, je prenais la pause. Ah mince. Allez, attends. C'est bon, c'est une ouais. Vidéo? Non, franchement, des trucs dégueulasses, c'est bon. Je veux voir.
C'est encore en vidéo là. Et bonjour à tous! Et comment ça va toi? Moi ça va bien, ça va très très bien. Ça va bien? Et tout roule pour toi? Et qu'est-ce que tu fais dans la voiture? Et qu'est-ce que tu fais dans la voiture? Je suis un pâté en croûte. En croûte! On dirait Jules. Wesh, Jules, allez! Jules! Wesh alors! Wesh alors! On a regardé la télé! Ouh! Nanana, je suis un nain! T'es obligé de dire comme moi? Non, je suis un nain de Noël! On voit pas, regarde, j'ai un gros nez et une bouche! T'es Pinocchio! Les macaroni! Les macaroni! C'est bon, c'est l'Italia! L'Italia! Est-ce que t'as volé ma pizza? C'était lui, c'est là, c'est du mec. Est-ce que t'as volé ma pizza? Moi, j'aime la pâte. Eh bonjour, c'est la vidéo de Noël. Qu'est-ce que tu veux? Viens à la maison, viens! C'est mon enfant. Je t'attends à la maison. Toi. Ouais, t'as trouvé ta bière? Oui, tu t'amuses? Oui. Hé, Noan! Oui? Tout va bien? Oui, j'ai des solettes dans mes yeux, mais c'est pas grave. Moi aussi. Bonjour, bonjour à tous! Connaissez-vous la différence entre un testicule et un pamplemousse?